Hey, salut à tous, bienvenue pour ce 45e épisode. Alors on a eu un petit problème lors de la mission précédente. Ça a un petit peu coupé mon enregistreur, alors je sais pas ce qui s'est passé. Bon, au final il s'est pas passé grand chose, enfin si. Ce serait cruel de dire qu'il s'est rien passé, c'est pas vrai. Mais finalement, bien, comment vous expliquer? J'ai dû aller chercher donc des plans d'Advent quelque part, je ne sais plus, et dans une mission. Et donc je suis tombé sur une unité, une nouvelle unité Notre que travail vous avance connaissez comme prévu, certainement commandant. si vous avez vu le let's play précédent, le gardien. Voilà, donc on a découvert un gardien. Hormis ça, il s'est rien passé de spécial. Pardon, il s'est rien passé de spécial, pardon. Je suis perturbé, hein. Franchement, De plus en plus je suis un peu déçu. dégoûté que c'est quitté entre les écrans bleus de ma console et les plantages de mon Calcul du nouvel enregistreur de escalier. XSplit. Malheureusement, je suis pas gâté, hein. Pour ce let's play, bon, on fera avec. On va reprendre nos esprits. Certains de nos hommes ne sont pas très Voilà. frais après notre dernière mission, mais s'ils se reposent un peu, ils s'en remettront. Notre résistance Voilà. commune continue à nous en apprendre plus sur ces Ça c'est cool ça, force effets. mentale, ok. Mes Ne fidèles dure sont qu'un de tour. Ah bah plus ça en c'est plus cool aussi. impressionnés par vos compétences, commandant. Merci. Notre campagne contre les anciens avance bien. Et nous avons maintenant de nouvelles Ah, un possibilités. capitaine. Grâce à notre influence sur les factions de la Voilà. résistance, elles ont Pardon. partagé leurs informations sur les J'ai pas un humains. templier? Si, hein, voilà, j'en ai un qui traîne là. Juste un soldat, donc bon bah pourquoi pas, on va mettre un soldat ou alors un deuxième classe, ça c'est au choix. On va prendre Anderson, tiens, pour la faire monter au cas où. Et on va ajouter un templier pour limiter le. Pour annuler même le risque de soldats blessés. Donc il y a un faible risque d'embuscade. Bon, ça va. Ouais, ça va. Allez, hop. Au pire des cas, on fera le petit nettoyage par après. Bah oui, on va C'est confirmer, ouais. compris, commandant. Mes partisans apprécieront le soutien de vos soldats. De nouveaux ordres, commandant? Oui, fabrication. Est-ce qu'on a des choses? Ah, ouais. Bon. Armure gardien. C'est encore nouveau ça. Bon. Ok. Bon bah 20 cristaux d'hélérium. Il me faut de J'aurais l'hélérium. pu réparer ce vaisseau beaucoup Quand je plus vous le vite. disais qu'il me fallait de l'hélérium. Je le savais. On irait. Bah tiens, j'allais dire on irait peut-être ici au marché noir. On va aller voir si on Calcul du peut nouveau câble du Tiger. essayer de glaner un peu de. Delirium. Et comme ça, on peut déjà améliorer nos armures. Le marché est ouvert. Alors, acheter. Dire. Voilà. Boum. Il est où le problème? Ok. Ultra conditionnement. Cross. Ok. Celui-là me plaît. L'ultra conditionnement, je sais pas du tout ce que c'est, mais j'aime bien. Le Chatterton n'est pas fourni, attention. Hein. Chargeur. Bon, allez hop. Voilà, on est occupé de tout craquer, c'est bien, nickel. On a plus de renseignements. Tout va bien. Et Vous on va aller pensiez vraiment que votre découverte allait scanner pour m'inquiéter? avoir Vous pouvez de suivre l'hélérium et de l'alliage. l'événement, mais Et ça ne donc. change rien. Je vais aller désormais en ingénierie et Bonjour, on va commandant. améliorer son armure. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Voilà. L'armure Voici votre gardien. armure force de base. Elle Elle est est belle. aussi résistante que son nom et son apparence le laissent entendre. Ah voilà. Comme ça. On va mettre tout le monde d'accord, comme on dit, hein. Il n'y a pas de raison qu'on fasse pas ça.
Et jusqu'ici tout va bien. J'ai vérifié que mon programme était toujours en route parce que bon, parler tout seul, c'est déjà compliqué. Mais alors parler tout seul dans le vent, c'est encore pire. Alors voilà, champ de bataille, on va scanner ça. Autopsie d'un berserker, attention. Projet Avatar, c'est ça? Ouais. Bon, après. Il nous reste un contact à prendre, hein. Ce serait peut-être bien de le prendre aussi. Extraterrestres continuent d'avancer. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. C'est une étape importante dans nos recherches. Je sais pas, Taigan, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas l'impression, moi, mais soit. Comme si l'agressivité du Goliath ne suffisait pas. Alors, sérum stimulant, ce monstre ok. Massif semble dangereux, même une fois mort. Je serai heureux de m'en débarrasser quand j'aurai remis mon rapport. Alors, chaque sérum peut être utilisé qu'une fois et disparaît. Ouais, donc ça, c'est un usage unique. Il devient plus mobile et plus résistant. Ah, ok. Décryptage 3 jours en inspiration. Bon, pourquoi pas. On n'a pas. C'est pas terrible hein, pour le moment. Ah, additionne installation OZEF, j'ai envie de dire. On va prendre nous mettons immédiatement au travail, l'inspiration parce que franchement, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? On manque un peu de. Comment dire? Ben, de ressources. On va regarder si on n'a pas des gens qu'on n'a pas encore. Ah, Julie. Une Belge, décidément. Décidément, pardon. On va la prendre. Hein. Suédoise. Je sais pas si j'ai une Suédoise. Il y a du mal, le jeu. Voilà. Canadienne. On n'a pas de Canadienne. Ah. Okay. Commence à avoir pas mal de pays là. Pas mal de d'Américains et d'Anglais qui se sentent concernés pour la Terre. C'est déjà une bonne chose pour une fois. Bon, les Anglais oui, mais les Américains ça change. Allez, hop. Ah. Coordonnées de la base extraterrestre verrouillée, commandant. Ok, ils peuvent. Et nous, on ira faire un tour. Je vous promets, on va dégommer une paire d'installations Advent. Voilà. Ah, des renseignements. Ben voilà. Encore. Et les mecs, des canons à rayons. Ça, ce serait peut-être cool de faire ça, quoi qu'il advienne. 12 jours. Bon, c'est un peu long. Mais ça va. Franchement. Alors, alliage et hélérium. J'ai vraiment plus rien quoi en fait. Explosif avancé. Qu'est-ce que c'est que ça? La bombe IEM améliorée inflige une grande quantité de dégâts. Ah ben voilà. Même celle survivant à l'explosion initiale ont une chance d'être temporairement neutralisée. Bon, ça forcément, les organiques sont insensibles à cet effet. Bombe acide, bombe toxique, bombe fumigène. Ah, ok, d'accord, ça a amélioré toutes mes bombes. Ah. Ah ouais. Je m'attendais pas à ça, mais ouais, pourquoi pas. Alors ici, on va laisser ça parce que pour le moment, on n'a pas de ressources. On n'a plus d'alliage et plus d'hélérium, hein, vous l'avez vu. On a bientôt fini de blinder cette bobine. J'ai la confirmation d'un signal d'urgence provenant de la zone de notre dernière mission secrète. Une embuscade. Nos hommes doivent être évacués. Ça faisait longtemps. Une embuscade. En plus, on envoyait tous des pélos. On va pas rire, je crois. On va pas rire du tout, non. Mais bon. C'était ça d'envoyer des soldats. Et de penser à les faire monter. Quelle brillante idée. Vraiment.
Ok, le chargement est ok. Vous n'avez pas une minute à perdre. Mettez-vous à découvert et rejoignez le point d'extraction au plus vite. Là, je crois qu'on va parier, par contre. J'espère que j'ai mis des armures sur mes gars. Ok, ça va. Alors, il y a des ombres, c'est bien ça ? Ok. Templier, concentration, en plus. Dans l'énergie psionique. Super. La maîtrise du pouvoir appartenant à tous les véritables adeptes de cette terre. On va voir. Nous concentrant, nous pouvons. Alors, attendez. C'est tout droit, c'est tout droit, c'est tout droit, c'est tout droit. C'est très loin. C'est très très loin, d'ailleurs. Bon, ok. On a intérêt de se tenir à carreau. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, heureusement qu'on a professeur avec nous. C'est déjà une un petit gage en plus de survie. Imaginez, j'avais envoyé que des recrues. Je pense qu'on n'aurait pas rigolé. Et on va y aller doucement, alors. Hein. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Punaise, en plus, il y a des advents. Tout va bien. Spectre 1, votre équipe est compromise. Nous captons une équipe d'intervention d'advent en approche de votre position. Elle, ça aurait été bien d'avoir un chargeur amélioré. Que je n'ai pas, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Hein. Pour la cause. Je surveille cette zone. J'ai quoi comme grenade ? Plasmique, c'est déjà ça. Mais bon, ici, ça c'est. Ça sera pas vraiment le moment d'utiliser ça. Et voilà, on a. On a de la compagnie. Alors qu'est-ce qu'on a ? 1, 2, ça va. J'ai connu pire. Boum, vigilance. Boum, un en moins. Calmez. Ah ouais, c'est un petit fusil ça. Raté, malheureusement, touché. Je pense qu'on l'a tué, non ? Ouais. Eh bien, on va progresser comme ça, tant pis. Et on essaiera d'alterner les rechargements pour n'avoir que deux personnes qui sont en vigilance et une troisième qui recharge. Ça me paraît être un bon plan. De toute façon, j'ai pas 36 millions de solutions. Ouais. C'est loin, hein. Je suis dégoûté. Bon, ça fera de l'XP, c'est pas grave. On va pas non plus toujours se plaindre. Hein. Et comment on gagne de la concentration avec cette histoire ici ? Faut que je tue au corps à corps, c'est ça le concept ? Parce que là, j'ai un petit doute là. Ok, pas de mouvement. Jusque là, on est ok. Alors, la question c'est, où va-t-on aller ? Est-ce qu'on part par là dans la ruelle ? Non, il n'y a pas de ruelle. Le bâtiment peut tenter de passer par au-dessus, mais je sais pas du tout comment on va arriver là-bas. Je peux passer par la vitre qui est cassée. Ça, c'est pas encore vraiment un problème. Il n'y a pas beaucoup de mobilité, lui, hein, Hector Chavez. Un Mexicain, ça, certainement. J'observe. Voilà. Et professeur, ok. Bon. On a du mouvement, des ombres, certainement. Ah non. Un berserker. Pas de chance, toi. Rappé. Ah, maintenant, forcément, on est vu, hein. Un Goliath, même. Pardon. Ok. Et on a des ombres en même temps, hein. Si on peut plus faire ça, évidemment, c'est pas marrant.
Or, il s'est bien mis à cover, lui, hein. Ah, super discret. J'ai pas un truc qui peut faire des dégâts à distance, non. On va peut-être éviter la grenade plasmique, hein. On va éviter tout de suite le... J'aurais bien fait ça, hein, mais si je fais ça, je vais avoir des problèmes. Pas de cible disponible. Ok, bon bah, soit. Guider ma main. Guider ma main, ouais. Alors, en pistolet, on a rien du tout comme chance de toucher non plus. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Et au pire des cas, on va détruire l'abri. Bah, j'ai touché. Je peux pas attaquer à la grenade, sinon c'est ce que j'aurais fait. Ah, du coup, on a augmenté un petit peu nos chances de toucher. On verra, hein, j'ai pas le choix de toute façon. Voilà. Je vais recharger. J'ai peur qu'il y ait des ombres qui se pointent et qu'on n'ait plus de quoi les accueillir en cartouche. Là, ah, un advent. Merci. Grâce à toi, je sais qu'il y en a un là. On va se mettre ici. Attendez, hein. Non, on va recharger avec lui. Avec elle, pardon. Avec Thérèse Anderson. Pas besoin de faire les foufous. On gère pour le moment plutôt bien, donc. Ah. Je vous parlais pas de faire le foufou ? Oh, désolé. Ok. On va faire ça, on va tenter de se mettre là et tirer sur l'advent. Là j'ai cru que je voyais pas, c'est une blague. Viseur avancé, ok. Voilà. Bon, si on veut, on peut nettoyer une paire de... Code de soutien, non. Bon. Non plus. Il n'y a pas beaucoup de précision, lui, hein, par contre. Qu'est-ce que je fais? Je nettoie. Donc, je tente le... Non, 42% c'est vraiment trop peu. Hein. On va faire ça, on va nettoyer. Tant pis, je vais utiliser mes munitions pour rien. Enfin, pour rien, c'est un grand mot aussi encore une fois, hein, mais bon. Parce que bon, concrètement c'est du danger aussi. Hein. Voilà, on va les nettoyer. Ça c'est fait. On en verra. Moins. Dommage. Dommage, dommage. Eh bien, tant pis. Voilà. On va se mettre en vigilance. Ah, bah lui aussi. Pourquoi pas. Ah, et... Lui, il vient de griller sa vigilance grâce à une ombre. C'est pas mal. Merci. Et nous, ça nous permettra d'avancer un petit peu. Pour gagner des pourcentages de visée. Voilà pour le moment. Ah. Là, on a quelque chose. Ben, frappe alors. Vas-y. Là, il y a beaucoup de mouvements. C'est quand même bizarre. En temps normal, il n'y en a pas beaucoup. Mais là... Schlock. Normalement, on gagne une concentration. C'est pas ça le délire? Ouais. La puissance des templiers. Alors, élan et parade. Après avoir utilisé leur capacité, les templiers déclenchent automatiquement élan, un déplacement gratuit. Ah. Contre nos ennemis. Et possède la parade, il ou elle peut rester au même endroit, la place et annuler les dégâts. Ah, ok.
C'est où la parade? Ah, c'est déjà le cas. Ah, non. Ok. Il faut l'activer. Bon. Ok. Moving on target location. On overwatch. Élan disponible. Ok. Ouais, bah ça va en fait. Finalement. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais rester comme ça. J'ai peur de faire une bêtise. Parce que si je cours et que je dévoile d'autres unités, je vais être trop loin. Si je fais une parade alors qu'il n'y a pas d'ennemis vraiment autour, je vois pas l'intérêt. Là, je sais déjà que je peux avancer. Genre par ici. Voilà, simplement. Étant donné que le Templier voit. Vraiment spécial à jouer le Templier. Je vais pas dire que c'est celui qui me plaît le moins, mais. Quand même. Alors. Il faut recharger la batterie. Voilà, c'est fait. Hop, on va mettre en vigilance au cas où. Et là, lui aussi. On va progresser dans le bâtiment ici, ok. Tac, tac, tac. Hop, on peut passer là, on peut passer là, ok. Une fois qu'on est passé le bâtiment, on arrive quand même dans un endroit un peu plus dégagé. Aucun trouble ne m'échappera. On devrait normalement pouvoir s'en sortir. Vas-y, mais passe pas par là vite, quoi. Notre genre, salut, on est là, quoi. Bon, on a encore peut-être 4 ou 5 tours, j'ai envie de dire. Hein. Quand même. J'ai entendu leurs appels. Ah, ils arrivent. On a du monde. Ok. Et une nuée, une. Je m'en faisais pas trop pour les toucher eux. En vigilance, ils sont pas bons. Pas bons du tout. Il faut que je me concentre. Ah ouais, ouais. On va tenter de passer par là. Par la vitre ici. Ce qui m'ennuie, c'est que je pourrais découvrir des adversaires. Et ça, c'est pas vraiment mon. Mon kiff là. On va nettoyer une paire. Ouais, il y en a quand même 5. Hein. Minimum. Minimum, ouais. Ça en fait déjà le deuxième de nettoyer. Voilà. Normalement, on sait se recharger. Ok, je vais me recharger. Ça sert à rien d'essayer d'enchaîner les tirs. C'est pas quelque chose qui va nous. 7 à 9. Alors, on va tenter celui-ci. J'ai un doute, mais. Ouais, je m'en doutais. J'arrive 2 secondes, je vous laisse. Et voilà, je suis à vous. Toutes mes excuses. Alors, Tayad, ok. Volt. Ok.
Ça, ce serait marrant, non? Allez, on va le faire. Imaginez, je tue les deux. Non bon. Ça prendrait à nous craindre. J'aurais... Ah oh. Celui-là aussi, je devais le tuer, tiens. Et alors, attaque, elle met. Le méchant, là. Et... Normalement... Ah ouais, soit on bouge. Ok, je commence à... Ah, super, bon. Tous les dégâts, ok. On va parer, hein. Ouh là là là. Oh, ça c'est pas bon du tout, ça. À cover. À revers, du moins. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il m'a stun, d'accord. Une parade, une, comme on dit. Ok, bon. On va faire ça, on va se mettre directement là. Et si on peut l'attaquer au corps à corps. Oh oui. Bon, le rate pas. Hein. Voilà. Tout dans le ventre. Ça va aller, ça va aller. Alors, combien il a fait de dégâts? 10 points de dégâts. Ça va. Ça va. On va pouvoir évacuer nos personnages ici. S'il veut. Ouais, c'est juste, j'avais un stun là. On va recharger, ça serait quand même bien. On n'est pas à l'abri des ombres, mais on est juste à côté. Hein, donc normalement dans un ou deux tours. Ou alors je vais faire ça. Je vais choisir d'ignorer les ombres. Et je vais aller directement me poser là-bas. Sans problème. Je vais me mettre en vigilance, on ne sait jamais. Mais en théorie, c'est déjà fait. Hein. Ah, j'ai cru que j'avais pas accès à l'exfiltration. Voilà. Tac, évacuation. Hop là. Lui, je l'ai aussi, Cerber. Bon, ça va. Franchement, c'était plus impressionnant qu'il n'y paraissait. Je commence à vraiment être bien équipé aussi, hein. Faut l'avouer. Il faut le dire, faut l'avouer, tout ça. Ça aide beaucoup. Tous les membres de Spectre 1 ont pu être évacués. Voilà, bon, j'ai un blessé. Ça va, quoi. On s'est bien débrouillé. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. On aurait pu avoir peut-être le berserker qui aurait pu faire plus mal. Mais heureusement, il était tout seul. S'il y avait eu une escouade pour lui, genre ils étaient à deux ou trois là, j'aurais pu avoir un petit souci quand même. Faut que je sois un peu plus vigilant quand même. Et cette mission nous a permis aussi de découvrir le Templier et son mode de fonctionnement. Donc c'est chaque fois qu'il tue un ennemi, il reçoit de la concentration. Et avec sa concentration, ça lui permet d'augmenter ses dégâts et de faire des actions spéciales qu'on va pouvoir débloquer avec son expérience et avec ses promotions, en fait. Voilà. Bon bah, Andersen, ok. Perforateur.
Ok. Collision maximale. D'accord. Andersen et Chavez. Bon. Bon. Je vais regarder. Ah ouais, non, c'est avec Zivou. Mais Zivou, il est déjà en... Comment dire ? En frère d'armes, lui. Un viseur laser, 10% de critique. Ok. Un viseur laser sur un shotgun, ça doit être sympa. Carence en scientifique, d'accord. Ok. Chercher un ravitaillement pour avoir plus de scientifiques, travailler sur des factions, construire un laboratoire. Ouais, ça pourrait être bien. Un scientifique est parfois disponible au marché noir. De nombreuses missions. Ok, donc en gros, il est temps d'aller chercher des scientifiques. Notre collaboration est ah. Une véritable aubaine pour la résistance. Bah ouais, ça. Je sais, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Forteresse de l'élu. Nous devrions avoir accès à la forteresse. Ah. Forteresse de l'élu, commandant. Nos troupes sont prêtes à être déployées. Nous devons donner l'assaut au plus vite. Non. Alors, nouvelle mission secrète. Jusque là, c'est bon. Viser plus 2. Piratage plus 4. Ça peut être sympa aussi. Ah ouais, directement. Faire avancer la recherche, construction. Ok. Ah ouais, ça vaut la peine aussi. Gagner un contact, ok. Fabriquer une amélioration, ok. Esquive, ça vaut la peine aussi. Ralentir. Trouver des ressources, ouais. Donc maintenant, en fait, c'est vraiment des choses pour dire de gagner des points de volonté, de santé, toutes ces choses-là, quoi. Augmenter les ressources. Je vais regarder, il y avait quelque chose qui me plaisait. Lui. Voilà. Temple Patty. Un soldat pour dire de... D'ajouter un petit peu. Tina Harrison, bon voilà. On va la faire monter level up. Et 25 ressources, que demande le peuple. Boum. Comment c'est l'esprit. Ouais. Nous travaillerons avec nos nouveaux alliés. Ok. Jusque là, tout est ok. Et c'est ici qu'on va se laisser parce que j'ai quand même bien débordé sur le temps. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. En tout cas, merci à tous. Bye bye.